Aujourd'hui, nous allons préparer une salade de choux romanesco. À défaut, on peut y mettre du brocoli ou éventuellement du chou-fleur, mais le romanesco est plus fin de goût et donne un aspect un peu plus sympathique par la déco au plat. Il nous faut un chou romanesco. Il nous faut des pâtes, des coquillettes. Il nous en faut 200 grammes. Il nous faut de la mi-molette vieille. Il nous en faut 250 grammes. Un jus de citron, 60 g de cerneau de noix, 3 oignons blancs. Hélas, au marché hier, j'ai pas pu trouver d'oignons blancs, donc je remplace aujourd'hui par de l'échalote grise, qui est également très parfumée. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi elle est à tremper dans l'eau. Il nous faut des feuilles de basilic, de l'huile d'olive, du vinaigre de cidre, sel, poivre, piment d'Espelette si vous l'appréciez, et ça va nous donner notre salade de romanesco à la mimolette et aux coquillettes. Tout d'abord, j'ai commencé à mettre l'eau à chauffer pour y faire cuire mes coquillettes et mon chou romanesco. Pendant qu'elle finit de chauffer, je vais préparer l'ensemble de mes ingrédients. Je vais commencer par la préparation du chou romanesco, que là j'ai bien lavé avant, bien sûr, de le préparer. On enlève toutes les grosses côtes, toutes les petites feuilles et on ne garde que les bouquets. Alors l'intérêt du chou romanesco, outre son goût, bah, c'est cette forme de petit bouquet qui est très, très sympathique dans une salade et dans un plat. Et ça se prélève très facilement. Pour le brocoli, si vous avez du brocoli à la place, bah, c'est la même chose, hein, bien lavé, bien rincé, et on prélève tous les petits bouquets. Là, le gros bouquet central, je le coupe en deux pour la cuisson, en deux ou en quatre, celui-là était assez gros. Voilà. La cuisson du chou romanesco ou du brocoli d'ailleurs, quand c'est en petit bouquet comme ça demande 7 à 8 minutes. Selon le type de pâte utilisée, c'est à peu près le temps de cuisson des pâtes. Si pour une raison ou pour une autre, vous avez des pâtes qui doivent cuire un peu plus longtemps, 7-8 minutes avant la fin de la cuisson des pâtes, vous ajoutez vos bouquets de choux. Comme moi, c'est des pâtes qui doivent cuire 7 minutes, ben je les mettrai exactement en même temps que mes pâtes, dans environ 4 à 5 litres d'eau bien salée. Alors, mon obus, je vais donc y plonger mon chou romanesco et mes coquillettes. Et là, c'est parti pour 7-8 minutes. La meilleure des solutions, c'est de mettre un petit pansement. Comme on va faire autre chose pendant ce temps-là. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, nous allons découper notre mimolette en petits morceaux d'un centimètre au carré environ. Alors, c'est de la mimolette demi-vieille. Elle est un peu plus ferme que la mimolette jeune et c'est plus sympathique, ça donne un peu de croquant dans la salade. Alors finalement, cette salade, c'est un repas complet, hein. On a à la fois de la verdure qui est le chou, on a aussi le fromage et on a aussi l'accompagnement puisqu'on a les pâtes. Et ça peut se servir tiède ou froid comme on veut, mais froid c'est sympathique et ça peut aussi être emmené dans un pique-nique. Alors rappelons que c'est pour 4 personnes si c'est un plat, 6 à 7 si c'est une entrée. C'est pour ça que les quantités peuvent paraître relativement copieuses. Après la préparation de la mimolette, je vais hacher grossièrement mes cerneaux de noix. Je dis grossièrement parce que c'est pour qu'ils donnent du croquant dans le plat et qu'ils donnent le goût de la noix, bien sûr. Donc les cerneaux de noix, vous en trouvez un peu partout dans le commerce, mais ne les mettez pas en poudre. Donc pas question d'utiliser le mixeur, il faut que ça se fasse au couteau
et que ça reste des morceaux qu'on va retrouver et qui vont croquer sous la dent. Voilà, donc bon, je vais commencer à préparer mes feuilles de basilic. Alors les feuilles de basilic, pour que ce soit plus agréable, moi, avant de les ciseler, j'ai toujours pour habitude d'enlever la petite nervure centrale. Voilà, parce que comme ça, si c'est un peu dur, ben, il est beaucoup plus agréable de ne pas avoir cette nervure centrale. Alors il vous faut, grosso modo, selon si vous aimez le basilic, ou un peu moins, bah vous en mettez un peu plus ou un peu moins. Moi, dans ce plat, je mets une dizaine ou une douzaine de feuilles. Ça donne un goût méditerranéen, disons. On en trouve dans le commerce, hein, du basilic, donc il n'y a pas de souci, vous le trouverez. Si vous avez un jardin, c'est toujours sympa d'avoir du basilic dans son jardin, ne serait-ce que pour réaliser, par exemple, une petite sauce pesto un jour, voilà. Hop, je vais commencer à préparer. Alors, j'avais dit oignons blancs. Si c'est des oignons blancs, il n'y a pas de souci. Là, c'est des échalotes grises. Donc, pour la peler commodément, je l'ai mis à tremper pendant au moins une demi-heure dans de l'eau. Les échalotes ordinaires se pèlent assez facilement. Bon, alors, je vais simplement détailler mon échalote en fines tranches. Qu'on retrouvera après dans la salade et qui vont donner un petit piquant, un peu de parfum. Voilà. Maintenant, autre opération, hacher le basilic. Très vite fait, hein. Ça nous donne une cuillerée de basilic environ. Voilà, c'est la quantité qu'il nous faut. Bon, maintenant le citron. Bon, disons un citron normal, hein, bien juteux. Voilà, on presse citron pour pas avoir de pépins. Toujours désagréable. Il est temps de dégoûter ma préparation. C'est cuit. On va préparer le dressage de tout ça. Dans une poêle, un petit peu d'huile d'olive. Environ une cuillerée à soupe d'huile d'olive. On met à chauffer. Pourquoi est-ce qu'on commence à préparer de l'huile chaude? C'est tout simplement que ça va être la base de notre assaisonnement pour les pâtes et la mimolette et le chou. Et on va y mettre en premier lieu les cerneaux de noix. Ça ne va pas être long, c'est quelques minutes, hein. Il faut 2-3 minutes. On fait chauffer avant de les incorporer au reste. J'arrête la chauffe. Et sur cette base, je vais préparer mon accompagnement. Alors, je vais ajouter maintenant environ 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Ce qui fait qu'en tout, on en aurait mis 3. On va y mettre du vinaigre de cidre. Il en faut, disons, 3 cuillerées à soupe. Voilà, j'ajoute mon basilic haché, mes échalotes qui peuvent être aussi de l'oignon, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors je reste ici à travailler pour l'instant parce que ma poêle est encore chaude, alors ne la reposez pas sur votre table comme ça. Mon jus de citron.
mes coquillettes et mon chou sont maintenant égouttés. Donc, je les mets dans mon saladier. Ici, j'ajoute mes dés de mimolette. Voilà. Bien brassé. On rajoute l'assaisonnement. Voilà. On mélange bien le tout. On rectifie l'assaisonnement si nécessaire. Alors on met un peu de poivre parce qu'il n'y en avait pas, bien entendu. Là, c'est un poivre du Népal qu'un ami m'a ramené. On remet un petit peu de fleur de sel. Pour les amateurs, et j'en suis un, hein, un petit peu de piment d'Espelette. Le piment d'Espelette donne du goût, donne du parfum, mais très peu de piquant. Donc c'est vrai que c'est extrêmement intéressant pour la cuisine. D'ailleurs, fort heureusement, il est de plus en plus employé. Alors moi, je vais donner une petite touche de déco supplémentaire. J'avais dans mon jardin quelques tomates cerises que je vais peler parce que la tomate se pèle toujours. Pour la peler, c'est simple, il suffit de la plonger quelques secondes dans de l'eau bouillante et ensuite la peau se défait aisément. On la coupe en deux, voilà. Ainsi, en disons maximum une demi-heure, trois quarts d'heure, vous aurez préparé pratiquement au pied levé un plat d'été sympathique. Donc voilà notre salade de chou romanesco à la mimolette et aux coquillettes. Bon appétit!